Alors, je vous remercie d'être si nombreux pour m'entendre ce soir et je veux saluer en particulier mon public francophone d'Europe ainsi que les nouveaux adhérents à ma doctrine jovialiste de Macao et de Shanghai. La conférence de ce soir va porter sur la nécessité de revenir à la philosophie tout en délaissant le spirituel. Parce que le spirituel n'a pas rempli son office. Nous vivons en une époque où le spirituel n'est plus qu'un ensemble de considérations gratuites, pour ne pas dire un radotage, qui est incapable de tenir tête à la marée matérialiste qui déferle sur tous les milieux de la terre où on pouvait encore espérer que quelqu'un puisse penser. Voilà. Comment pourrait-on résumer mon approche? Mon approche est fondée sur le sentiment de la solidité qu'un homme ou qu'une femme peut développer à l'intérieur de lui-même. Qui suis-je? Savons-nous que c'est la mauvaise question? Parce que la vraie bonne question, c'est « suis-je? » Parce qu'avant de vous demander là si vous êtes quelqu'un, vous avez fait un progrès dans la spiritualité, vous devez vraiment vous demander « est-ce que je suis autre chose qu'un néant? » Ben oui. La situation spirituelle de l'humanité est un désastre. Et si vous voulez que je vous dise ce que je pense au plus profond de nous-mêmes, il faut mettre un terme à cette spiritualité galopante qui est une véritable maladie intérieure. Et il faut apprendre à raisonner philosophiquement. Nous devions seulement réfléchir à tout ceci. Il est possible que dans le but de concentrer notre énergie et d'acquérir cette solidité intérieure dont je parlais tout à l'heure, nous chercherions, dans un premier temps, à nous débarrasser de tout ce qui encombre l'exercice de notre pouvoir sur nous-mêmes. Et cela passerait par les préjugés. Ah oui. Un des plus grands préjugés qui soit. Dieu est amour. Il vous protège. Ah. Mais êtes-vous menacé? Ça va être un petit poème. L'esprit, la nuit, sans bruit, produit son fruit, gratuit. Et voilà.